compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres du jeudi 2 août 2018. Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 2 août 2018 sous la présidence de Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. À l'ordre du jour était inscrit l'examen de 5 projets de texte. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le Conseil des ministres, à l'issue de riches échanges, a reporté au prochain Conseil l'examen du projet d'ordonnance portant statut de l'opposition démocratique au Tchad. Au titre du ministère de la Santé publique, l'examen du projet d'ordonnance portant création d'un Conseil national des tradipraticiens soumis au Conseil des ministres a été reporté pour enrichissement. Au titre du ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant composition et modalités de fonctionnement du Conseil national CNC. Le dit Conseil est un organe administratif rattaché au ministère en charge du commerce et il est chargé d'examiner les questions relatives à la concurrence. Le Conseil national de la concurrence est créé par la loi numéro 043/PR/2014 instituant la liberté des prix et de la concurrence en République du en son article 35. Au titre du ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, le Conseil des ministres a reporté au prochain Conseil pour harmonisation l'examen des deux projets de texte soumis, à savoir le projet de décret portant détermination des tranches des revenus faibles et intermédiaires et le projet de décret portant modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds de promotion de l'habitat, FPH, du Fonds de garantie des prêts, FGP, et du Fonds de bonification des intérêts, FBI. Le Conseil ordinaire des ministres commencé à 10h a pris fin à 12h19, N'Djamena, le 2 août 2018.